Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc ça va être sur une Blender 2.8. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des shaders de métaux. En fait je vais tout regrouper tous les shaders de métaux dans cette vidéo. Ça va être assez longue, mais à la fin on va avoir un seul shader sur lequel on aura tous les métaux disponibles. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après la pierre rouge. Donc je vous retrouve tout de suite après ça. Vous voyez sur la page actuelle une thèse qui a été élaborée par Brian Yu. Donc j'ai déjà fait référence à ce dossier dans mon tuto sur les images PBR que vous trouvez sur ma chaîne. Donc ça s'appelle exactement, si vous voulez je mettrai le lien de la vidéo, vous explique beaucoup mieux, parce que je ne vais pas aborder un peu dans les détails pour ce réel là les textures PBR. Donc là c'est PBR, voilà. Donc c'est tuto Blender en français pour débutants en création de shader PBR. Donc là c'est non métallique, après j'ai fait les métalliques et après j'ai fait les pierres précieuses. Donc là je vais pas aborder ce chapitre. Si vous voulez mieux comprendre un peu les techniques PBR avec le Fresnel et tout ça, je vous explique très bien ça là sur ce chapitre là. Aujourd'hui je vais vous donner les recettes pour pouvoir vous créer vos propres shaders dans Blender 2.8. Voilà, je vais vous donner les valeurs. Donc la référence pour avoir les métaux, vous verrez à côté, si je mettrai le lien de ce document en description. Ici en cliquant sur métal, on va aller un petit peu plus haut, je crois. Non, c'est un petit peu plus bas. Donc il explique bien, hein. C'est en anglais mais vous pouvez traduire. Alors c'est un peu plus bas, je me sens, voilà, c'est bas. Ici on a des valeurs, voilà, sur les métaux. Et en face de ces valeurs sur les métaux, on a des bases de couleurs RGB qui correspondent à des couleurs rouge, vert, bleu, qui nous permettent de donner une couleur et qui donne la couleur du métal que l'on va appliquer dans Blender. Donc en se servant de ça, j'ai créé un fichier Excel dans lequel on a tous les métaux. D'ailleurs, je vais peut-être les mettre dans l'ordre. Ici, on va les trier de A à Z. Voilà, ça va tous les métaux. Donc, j'ai l'alliage à base d'étain, l'aluminium, l'argent, le bronze, le chrome sombre. Parce que quand le chrome commence un peu à vieillir, il devient un peu plus sombre, un peu plus. Ouais, sombre. Enfin, chrome sombre, on peut même dire que c'est plutôt du métal bleu. Comment ça s'appelle? C'est bluir, donc c'est un effet chimique qu'on donne aux métaux, surtout sur les armes, qui permettent de protéger le métal, et ça fait une couleur plus sombre. Voilà. On a le cobalt, le cuivre, l'étain, le fer, le gallium, le laiton, le mercure, le molybdène, le nickel, l'or 18 carats, l'or 24 carats, l'or 18 carats est plus jaune que l'or 24 carats, vous verrez. Les deux font or, vous verrez, c'est pas la même couleur. On a le platine, le plomb, le potassium, le rhodium, le titane, le tungstène, le vanadium, le cuivre et le zinc. Donc on va faire toutes ces textures aujourd'hui, hein, dans Blender 2.8. Donc première chose que l'on va faire, on va mettre un éclairage dans Blender 2.8. Donc pour l'instant, je mets ça ici et on va ouvrir ici Blender 2.8. Donc on va aller chercher Suzanne, donc je vais faire Shift A. Mesh, Shift A, Mesh, singe. Voilà. Alors Suzanne, on va passer ici en mode solide. On va lui appliquer un
modificateur de subdivision de surface, donc ajouter modificateur subdivision de surface à 1, ce sera largement suffisant. Je vais à la clic droit ici, je fais ombrage lisser. Voilà, on vient de lisser Suzanne, parfait. On va maintenant cliquer sur ce bouton là pour que vous ayez ici les raccourcis clavier que je vais utiliser. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre, donc je viens cliquer dans le petit coin ici, ça se transforme en petit plus, vous voyez, et je vais cliquer et je vais glisser la fenêtre, voilà. Alors je vais fermer, j'appuie sur N ici pour fermer le volet, je vais appuyer sur N encore ici pour fermer le volet, quoique aussi. On va cliquer ici et on va aller chercher éditeur de shader, voilà. On a l'éditeur de shader. Alors on va créer ici un Word, donc on va aller dans le Word, on va dans arrière-plan, là on va cliquer sur utiliser nœud, on va cliquer bien sûr utiliser nœud. Alors ici bien sûr on va pas mettre en EV mais en cycles, parce qu'on a un meilleur résolution, on va faire un calcul GPU. Ici donc dans le Word, on va aller chercher dans les couleurs, on va cliquer sur le petit rond qui est ici. On va chercher texture d'environnement, on va cliquer sur ouvrir, et moi j'ai des textures d'environnement que vous trouverez sur le site texture.com, vous avez des packs de HDRI comme ça qui vous permettent d'avoir tous ces packs gratuitement et qui vous permettent d'éclairer vos scènes. Donc moi je vais aller chercher un pack HDRI, alors là on a le résultat des différents éclairages, moi je veux un éclairage assez contrasté. Celui-là me plaît bien, le Studio 8. Voilà. Donc il suffit de cliquer là, on va cliquer sur ouvrir image. Et là, on a l'HDRI qui est mis en place. Donc là, on va cliquer ici. Hop là. Donc on va aller sur le monde. Voilà, ici on a la texture de HDRI. On va un petit peu modifier, je vais faire un Shift A. Convertisseur mat. Ici, je vais cliquer sur multiplier. Shift A, convertisseur mat. Ici, je vais essayer sur ajouter. Je vais connecter ici la valeur. Je vais prendre la couleur, je vais la connecter ici. Et la valeur qui est ici, je vais la connecter à la face. Ici, je vais faire. Je vais tourner la roulette de la souris vers le bas pour ici afficher le rendu. Donc voilà, on a notre fameux rendu. Et là, on va pouvoir booster l'éclairage via ces valeurs. Donc, on va mettre un 330, 3,3, et là, on va taper 2,1. Ça fait un éclairage suffisant pour pouvoir voir ce qui se passe. Voilà, parfait. Alors, on va revenir ici, on va cliquer sur Objet. Donc là, on va aller appliquer la texture de Suzanne. Donc, première chose qu'on va faire, on va cliquer sur Nouveau. Donc, aussitôt, on voit que Blender nous a apporté un BSDF guidé. Et c'est justement ce BSDF guidé qui va nous permettre de créer tous nos shaders les uns après les autres. Donc, première chose que l'on va faire, on va mettre on va enlever le GGX, on va marquer en multidiffusion GGX. On va laisser en Christian Berlet. Voilà. En couleur de substitution. De subsurface plutôt, on va aller chercher un 07 01 01. Alors vous allez mettre les valeurs ici, mais bien sûr c'est métallique donc on va mettre 1. En spéculaire, on va laisser 0,5 0. Ici en rugosité, on va mettre 0,3 pour l'instant, mais on la modifiera en teinte. Spéculaire 0, en anisotrope rotation, en anisotrope ici on va mettre 1, en rotation anisotrope, vous voyez, en mettant l'anisotrope de suite on passe sur un effet métallique, vous voyez l'effet au fur et à mesure hein, de Suzanne au fur et à mesure que je change les valeurs. Le lustre on va pas y toucher. Rotation anisotropique, on va passer ici à 0,25. Vous voyez, pour l'instant, j'ai pas parlé de métaux. Parce que vous allez voir que quasiment tous les métaux ont les mêmes valeurs.
Alors celui-là, c'est le potassium que je suis en train de vous montrer. Le potassium a un certain rayonnement, c'est pour ça qu'on a ces valeurs ici un peu spéciales. Donc là, c'est en train de faire la texture du potassium ici. Donc la teinte de lustre 0,5, le vernis 0, la rugosité de vernis 0,30, indice de réfraction 0,450. Voilà. Donc la seule chose qui nous manque maintenant, c'est la couleur de base que je vais aller chercher dans mon tableau. Donc dans mon tableau, on va aller chercher sur potassium 0815, 0831, 0839. Donc on vient ici, on va cliquer, donc là, donc 0815, 0831 et 0839. Donc ça, c'est le potassium. Voilà, là on vient de faire la texture du potassium. Alors, je vais quand même m'assurer que c'est les bonnes valeurs. Alors, là. Donc là, ce que je vais faire, je vais réduire un peu la fenêtre ici de Blender. Voilà, ici. Pour qu'on ait ici les valeurs en même temps que ce que je vois ici. Donc potassium, donc là on est à 0815, 0831, 0839. Parfait. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner ceci et j'appuie sur tabulation. CTRL G plutôt. CTRL G. Alors ça va créer un groupe. Voilà. Avec une sortie de groupe et beaucoup d'entrées de groupe. Alors on ne va pas avoir besoin de la couleur de base. Voilà. On va avoir besoin la subsurface, on n'a pas besoin. Rayon de subsurface, on n'a pas besoin. Couleur de subsurface, on n'a pas besoin. Métallique, non plus. Spéculaire, non plus. Teinte spéculaire, on n'y touche pas. La rugosité, on va en avoir besoin. L'anisotropique, on ne touche pas. On ne touche pas. Lustre, on ne touche pas. On ne touche pas. On touche quasiment à rien. Alors, quand je dis touche pas, ça veut dire que là, on va mettre des valeurs. On va seulement laisser ici ce qu'on va avoir besoin de modifier. Si on veut rajouter de la rugosité au métal, un genre de métal poli ou une normale avec des déformations, on va falloir laisser quelques entrées. Donc là, ce sont les entrées. Donc c'est pour ça que là, je peux. Donc j'enlève la normale de vernis, j'enlève et la tangente, j'enlève. Voilà, on obtient tout ça. Hop, on va. Alors j'ai cliqué ici pour l'instant là-dessus, je vais élargir ici ce volet, ici on va dans l'entrée groupe et là on a base color et là on va simplement cliquer sur la petite croix ici au fur et à mesure et vous voyez qu'ici ça s'efface, donc là je vais cliquer sur la petite croix là, 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 donc la rugosité on n'y touche pas, donc là, 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 la normale, on n'y touche pas, là, et là. Donc ici, si je referme le groupe, je viens ici, j'appuie sur tabulation, ici en fait on a deux entrées, la rugosité et la normale. Et on a le nom ici du groupe. Donc, parfait. J'appuie sur tabulation, et là en fait on va voir ici plusieurs sorties. Donc là on va changer la sortie, celle-là on va l'appeler potassium. Alors maintenant, si j'appuie ici sur tabulation, ici on voit qu'on a la sortie potassium. Parfait. Ici on a toujours notre rugosité et notre normale. Pour l'instant, tout est parfait. Alors, on vient ici, on appuie sur tabulation et là on a fait le potassium. On va maintenant changer de métaux et on va aller chercher par exemple l'aluminium ou l'aluminium. Alors, on va aller chercher tout simplement un autre BS diaphtiqué, donc Shift A, Shader, BSDF guidé. Alors, il est là. Le BSDF guidé. Donc, on ferait multidiffusion GGX. Et couleur de substitution, c'est toujours 07, 01. Alors, je fais tout là parce que
On va avoir des différences ici avec l'anisotrope et la rotation anisotropique qui ne sera pas la même parce qu'on n'a pas un effet de rayonnement. Donc là, on va changer. On a le chef métallique, c'est toujours 1. Spéculaire, 0,5. Teinte spéculaire, voilà, ça ne change rien. Rugosité, mais là, de toute façon, ça change, c'est nous qui le réglerons. On peut mettre 0,1 si on veut, ça ne change rien du tout. L'anisotrope, là, cette fois, on laisse à 0. Le rayon anisotropique, 0. Le lustre, à 0. La teinte du lustre, à 0,5. Le vernis, à 0. La rugosité du vernis à 0,03 et la désinfection à 1,450. Là, on va pouvoir maintenant venir coller ici la rugosité à la rugosité et la normale à la normale. On va maintenant cliquer ici et celui-là, on va l'appeler. On va l'appeler aluminium. Donc là, on est ici, on va appeler ça aluminium. Aluminium. Vous allez voir que ben, après, ça va aller assez vite. Voilà, on a l'aluminium. Donc je reviens là, si je viens sur tabulation, ici on a deux entrées. Donc après, il suffira ici de mettre soit l'aluminium ici, soit le potassium pour changer la texture. Donc je reviens ici, j'appuie sur tabulation, il nous manque là encore la couleur de base. Donc je viens ici. Je viens cliquer ici et la couleur de base, je vais la trouver dans mon fichier, c'est 0913, 921, 925. Donc, 0913, 0921, 0925. Voilà, là on a fait l'aluminium et là on a terminé le shader aluminium. Alors pour, on va un petit peu réduire ça. Ça prenne moins de place et là on a nos deux shaders. On a l'aluminium et on va fermer ça. On a l'aluminium et le potassium. On va continuer. On va faire par exemple l'argent. Donc pareil cette fois. Hop là. Tac. On va aller chercher l'argent. Donc l'argent, c'est simple, on va prendre celui-là et on va faire un Shift B pour le dupliquer. Et la seule chose qu'on va faire ici, donc on va déployer, on va seulement changer la couleur qui est ici. La couleur, ça sera donc argent 972 96 915. 0972 096 0915. Et vous allez deviner, on va connecter la rugosité à la rugosité et la normale à la normale. On n'a plus maintenant qu'à prendre le BS, la sortie qui est ici. On va venir la mettre ici et celle-ci, on va l'appeler argent. Voilà. On est déjà rendu à 2. On va faire toute la liste comme ça. Donc si je viens ici, je fais tabulation, on va voir si ça fonctionne. Alors là on a le potassium sur notre tête. On va passer à l'aluminium. Alors lui, pour l'instant c'est toujours dans les couleurs de la prise, mais vous voyez bien qu'on a bien un changement aussi de texture. Là je vais ensuite chercher l'argent. On a encore un changement de texture. Alors comme on est toujours dans les gris, vous ne voyez pas vraiment la différence, vous devez la voir avec le potassium parce qu'on a un effet de léger rayonnement. Avec le potassium, vous voyez, on a un effet léger rayonnement là, qu'on n'a pas avec les autres métaux. Allez, on continue. Donc là, on vient chercher, on va chercher, on va faire un autre. On va faire par exemple le bronze. Le bronze, non, le laiton. On va faire le laiton. Donc le laiton, c'est toujours pareil. Là, je fais un CTRL-D, SHIFT-D plutôt. Tac. Donc celui-là, ça va être le laiton. Là, je peux ici tout de suite appeler ça le laiton. Ah.
On va déployer pour voir où il faut connecter nos affaires. Donc la rugosité, c'est rugosité. Normal, c'est anormal. Et la couleur. Donc on va prendre ici le laiton 956. Donc 791. 0305. Voilà, c'est un léger jaune. Et là, on peut fermer. Et là, si je fais ici tabulation, cette fois-ci, on met ici du laiton à la place du potassium. On a notre tête en laiton. Et bien sûr, ici, on peut bien sûr baisser la rugosité pour avoir la vraie couleur ici du laiton. Alors, c'est peut-être, vous voyez peut-être ça un peu clair, vous allez me dire. Ah, ça vient tout simplement de notre éclairage qui peut être un peu fort. Donc on va revenir ici dans le Word et on va baisser ici les valeurs d'éclairage. Voilà, qui sont un peu forts. Voilà, là on a une meilleure couleur du laiton. Vous voyez, ça fait pas or, là, ça fait vraiment laiton. Je clique ici, je retourne un objet et on va continuer comme ça. Toute notre petite liste et vous voyez qu'au fur et à mesure, on est en train d'ajouter ici des textures. Donc j'appuie sur ici sur tabulation et on va aller chercher cette fois, je sais pas, on va aller chercher le bronze, tiens, pourquoi pas. Donc le bronze, on vient ici, Shift D, on déploie et comme pour les autres, on va connecter la rugosité à la rugosité, la normale à la normale. Ici, on va changer la couleur, donc bronze, c'est ici, donc là. Je change de couleur, je prends la colonne d'à côté, 0,973, 0,96 et 0,915. Excusez-moi, j'ai eu un message. Et là, je vais tout simplement connecter ça à la nouvelle entrée. Et la nouvelle entrée, on va l'appeler bronze. Voilà. Tac. On réduit, on va changer de texture, on va passer au chrome, enfin c'est pas chrome sombre exactement, c'est chrome bleuie, ça s'appelle, bleuie, je sais pas comment c'est écrit, c'est un phénomène chimique. On trempe le métal, le chrome, enfin le métal dans les produits chimiques qui oxyde un peu, enfin c'est pas oxyde, mais qui se recouvre le chrome d'une pellicule sombre qui le protège. On s'en sert, on vous le dit, en armurerie. Donc on va s'attaquer au chrome bleu. Donc je viens ici, Shift D, on duplique. Là, on va venir ici connecter. Et là, ça va s'appeler donc Chrome bleuie ou sombre, hein, vous mettez ce que vous voulez. Sombre, ça fait mieux. Sombre. Voilà. Alors, ici, on va bien sûr déployer, connecter l'endroit où ça se connecte. Donc, la rugosité à la rugosité et la normale à la normale. On n'a plus qu'à mettre ici les couleurs qui sont dans notre tableau d'à côté. Donc 0,262, 0,258, 0,283. Voilà. On peut réduire. Vous voyez que ça va assez vite. Tabulation, on est déjà rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 textures différentes. Et là, justement, si on va chercher ce fameux chrome sombre, on va obtenir quelque chose, vous voyez, d'assez sombre. Vous voyez, ça fait bien chrome, mais c'est quand même assez sombre. Donc, dans la foulée, on va faire le chrome normal pour bien vous faire voir la différence. Donc là, on a le bronze. Le bronze, j'ai dû me tromper dans les couleurs. Ça c'est pas couleur bronze. le bronze.
c'est celui-là. Donc la couleur, oui, la couleur est pas bonne. Donc c'était 0,913, 0,429 et 0,15. 0,429 et 0,15. J'ai confondu les lignes. Voilà, là on est plus dans du bronze que dans ce que j'avais marqué. Donc voilà, vous voyez, vérifiez quand même. Donc ensuite on va aller chercher le chrome. Donc on vient ici, Shift D, tac, on ouvre, on vient chercher ici la rugosité. La rugosité qu'on va connecter à la rugosité. La normale que l'on va connecter à la normale. Ici on va prendre la sortie, on va venir la connecter au petit point. Ce fameux petit point qui est en dessous ici, on va l'appeler bronze chrome. Voilà, et on va changer ici la couleur en mettant le chrome. Donc le chrome c'est 0,55. Donc 0,55, 0,556 et 0,554. Voilà. Là, le chrome qui est fait. Tac. On va passer au cobalt. Donc ici on coche Shift D et on va passer au cobalt. Donc rugosité. Normal. Ici, on va mettre ici. Et on va aller taper ici pour taper cobalt. On va prendre les couleurs, donc le cobalt c'est 0,662. Après le cobalt, ça va être le cuivre. Donc, Shift D. On déploie. On vient chercher encore une fois la rugosité. Alors, on peut bien sûr déplacer ça, hein, parce qu'au fur et à mesure, ça va descendre. On va même faire pareil à côté pour la sortie. D'abord, ça va être quand même plus simple pour connecter nos affaires. Donc, la rugosité, on va prendre le point qui est là et on va aller à rugosité. Normal, on va aller à normal. On va prendre la sortie qui est ici et on va venir se connecter ici. Et là, la couleur, ça va être 0,955 et 0. Cliquez là. 0,955, 0,637. Et 0,738. Alors comme le chrome, on a deux teintes, et comme l'or, on va avoir deux teintes de cuivre, donc le cuivre normal, donc là ça va être ça, le cuivre normal, on va appeler jeune, et après on aura le vieux cuivre. Alors, je vais mettre une majuscule là, ce sera mieux. Cuivre, je m'assure quand même que j'ai mis des majuscules pour toutes. Voilà, ça fait mieux quand même des majuscules. Donc cuivre, alors si on regarde en bas, j'ai un vieux cuivre, on peut le faire tout de suite. Donc, on vient vous faire voir la différence, donc là j'ai un Shift D, voilà, ici, donc, on déploie, rugosité à rugosité, normal à normal, ici le PSDF, on va le rajouter ici, donc là ça va être vieux cuivre. Voilà, il est un peu plus foncé que le cuivre normal. Il a un aspect plus foncé. Donc le vieux cuivre c'est 90973, 0,356 et 0,246. Voilà. Alors on va tout de suite aller voir sur Suzanne les effets, les différences entre les différents cuivres. Donc là on a le chrome sombre. Déjà, le chrome sombre qui est ici. Et là, on a le chrome.
voyez, c'est un peu plus clair. Alors ensuite, on a le cobalt. Et ici, on a le cuivre. Et le vieux cuivre. Et on a... J'ai essayé de vous donner toutes les valeurs, les meilleures valeurs possibles. Alors, ensuite, on va aller passer au gallium. Donc, gallium, c'est un métal. Donc, on va passer au gallium. Donc, vous voyez que ça commence à s'étoffer là. Donc, j'appuie sur tabulation. On vient ici, Shift D, on commence à connaître. Donc, là, on va déployer. On va connecter la rugosité à la rugosité, la normale à la normale, et ici on va prendre la sortie et on va venir connecter ici, et ici ça va être gallium. Alors, vous allez me dire, Olivier, c'est bien, mais tu mets tout dans le désordre. Oui, je sais, c'est voulu, parce que je vais vous montrer comment ensuite classer un petit peu tout ça. Donc le gallium, c'est 0,479. 0,479, 0,604 et 0,578. Là, c'est bon. Ensuite, on va passer au... à l'or. Donc, on va commencer avec l'or 24 carats. Donc, ici, tabulation, tabulation, là, Shift D, toujours pareil, hein. On va connecter la rugosité à la rugosité, la normale à la normale, ici, on va prendre la sortie, et on va les mettre ici, hors. 24 carats. Voilà. Alors, ici, on va mettre les couleurs. Donc là, c'est 1, 0, 768, 0, 337. Voilà. Ça fait un jaune. Tout de suite, on va faire l'autre. Shift D. Shift D. Donc là, on regarde là, la rugosité. Normal. On va prendre ici la PSDF et on va venir ici. Et voilà, on va l'appeler or 18 carats. Donc l'or 18 carats est plus jaune que l'or 24 carats car il y a de l'argent à l'intérieur. Carats. J'aurais pu faire de l'or 9 carats aussi, mais ça en fait 2. Donc la couleur de l'or 18 carats, c'est 0, 0,973, 0,539 et 0,109. Alors, je vais réduire ça, et on va voir un peu la différence entre les deux ors. Ici, tabulation. Là, tac, tac. Donc là, on a rajouté le gallium et l'or 18 carats, 24 carats. Donc l'or 24 carats, ça donne ça. Alors, il met là. Là, or 24 carats. Voilà. Et l'or 18 carats, ça donne ça. Voilà. Alors l'or le plus pur, hein, c'est celui-là. Et l'or avec de l'argent, c'est celui-là. Comme ça, vous avez le choix de ce que vous voulez mettre en texture. Donc, on va continuer un petit peu notre liste. On était. On va faire le fer. Le fer. Ici. Ici, tabulation. Ici, Shift D. On revient ici. Là, on va aller chercher le fer. Donc, hop, le fer,
Alors c'est 0, 56, 57 et 58. 56, 57 et 58. Voilà. On va connecter. Alors on va descendre encore ça. On va enlever les deux nœuds ici et ici et on va descendre. Là, on s'arrête de le faire. On clique ici et on va dire faire. Voilà. Tac. On vient. Bon, la rugosité, on va connecter ça à la rugosité. On vient prendre la normale et on va venir connecter ça à la normale. Et là, c'est bon, on a le fer qui est fait. Donc là, ensuite, après le fer, on va faire. Après le fer, on va faire. Fallait la terre. Décidément. Après le fer, on fait le fer. Après le fer, on va faire. Fallait la faire. Je suis fort. On va faire le plomb, tiens, on va faire du plomb. Alors, le plomb, c'est toujours pareil, là, Shift D, on va venir ici, on déploie à pouvoir, où il faut connecter la rugosité à la rugosité, la normale, à la normale, la BSDF en sortie, on vient ici, et on va connecter ici pour écrire plomb. Voilà, la couleur du plomb, c'est 591 partout. Ça, c'est facile à souvenir. Voilà, ça, c'est le plomb, il est fait. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le liage à base d'étain, je me sens pas. Donc, on va faire un liage à base d'étain. Ici, Shift D, donc là, hop, rugosité, normal, BSDF, on est ici, et là on va taper alliage à base d'état. Voilà. Ensuite, on vient prendre la couleur, donc ça c'est 515, 456, 0,715, 0,456 et 0,392. Vous voyez, c'est assez simple. Une fois qu'on a notre tableau à côté, ça va assez vite. Et là, on a déjà fait combien de métaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 métaux. Donc là, on a fait... attendez, ce que je vais faire, j'appuie sur tabulation. Donc ce que je vais faire là, je vais... donc... alliage à base d'étain, c'est fait. Aluminium, c'est fait. Argent, c'est fait. Bronze, c'est fait. Chrome, chromosome, c'est fait. Cobalt, c'est fait. Cuivre, c'est fait. Étain, c'est pas fait. Donc on va faire l'étain. Tac. Tabulation. Shift D. Rugosité. Normal. Ici. Donc la BSDF, c'est éteint. Voilà, et la couleur de l'éteint, c'est 776 partout. 776. Voilà, ça c'est fait. Donc l'étain est fait, le fer est fait, le gallium, il me semble que je l'avais fait. Oui, le gallium est fait. Le laiton, c'est fait. Mercure.
Donc là, Shift D. Rugosité. Ici, normal à sa place. Ici, on est ici. Et là, c'est Mercure. Alors j'aurais pu prendre vraiment tous les métaux, mais je pense que déjà ça fait pas mal. Donc deux métaux. Donc la couleur du mercure, 1 et 977. Donc 1, 977. Voilà. Ça c'est fait, donc le mercure il est fait. Molybdène, c'est un métal rare. Donc hop, on continue, Shift D, hop, on déploie. Rugosité, normal. La sortie ici. Donc là c'est le molybdène. Molybdène, voilà, la couleur du molybdène c'est 429, 0429, 0445 et 0361, voilà, hop, ensuite, on l'a. Il reste le platine. Alors le plomb je l'ai fait. Il me reste le platine. Est-ce que je l'ai fait le platine? Non, j'ai pas fait le platine. Donc on va faire platine. Shift D. Tac. On va venir chercher ici. Alors j'ai eu un petit problème ici parce que j'ai pas pris le bon truc. Donc là. On va prendre la rugosité et on va venir sur rugosité. Donc là c'est rugosité sur rugosité. Et là c'est cette normale là qui est ici. Voilà, celle-là elle est en trop. Vous voyez qu'il est ici. On va cliquer sur la petite croix pour l'effacer. Voilà. Hop. On peut réduire ça, donc on développe, vous voyez, il ne faut pas se tromper. Donc on prend bien là le petit point gris ici, et on va aller sur le petit point gris de la rugosité, on prend le petit point bleu, qui on va sur le petit point bleu de la normale. On prend le petit point vert du BSDF, et on va sur le petit point incolore ici, et là le BSDF, on a dit que c'était le platine. Donc, platine. Et la couleur du platine, c'est 0672, 0637 et 0585. Voilà. On va encore descendre nos... qui sont là pour pouvoir un peu mieux voir ce qu'on fait. Donc après le platine, on va passer au potassium, mais je l'ai pas fait déjà parce que c'est le potassium il est fait. Platine fait, plomb fait, potassium fait, rhodium. Rhodium est pas fait. Donc Shift D. On va développer. Je vérifie quand même une chose avant. C'est bon. Donc, rugosité sur rugosité, normal sur normal, BSDF sur la color, ici et la couleur du rhodium, c'est 468. Trois cent quatre-vingt-douze.
tromper. Donc 0,468, 0,380, 0,390, c'est bon. Et là, le BSDF, c'est Rhodium. Rhodium. J'ai écrit Rhodium, moi. C'est là. Rhodium. R-H-O-D-I-U-M. Voilà. Ensuite, donc titane. Est-ce que je l'ai fait, titane? Non, titane n'a pas encore été fait. Voilà. Ça fait un plaisir de le faire. Hop. Donc, parce que j'ai deux valeurs pour le titane, je vais regarder si quelque chose quand même. Hop. Ok. Là, j'ai mis quoi, titane? Alors, je vais prendre les nouvelles valeurs. C'est 262, 209, 165. Donc là, hop. Disons que j'ai dit 262, 209. 262, 0209 et 165. Voilà. Donc c'est parti. Ici, Shift D. Ouais. Revisiter. Alors, je vous explique pourquoi j'ai des valeurs différentes. Parce que j'avais deux techniques de couleurs, donc une, il fallait refaire un contour autour, et on a des valeurs différentes de couleurs sans ce fameux contour. Donc c'est pour ça que j'ai deux couleurs différentes qui sont toutes les deux, on a le même résultat, hein, mais il y en a une, on a besoin du contour, et là je fais sans contour en fait. Donc rugosité normal, ici on va connecter ici, donc là ça va être le titane. Et là on vient cliquer ici sur la couleur, on vient cliquer là, on va taper les valeurs que je viens de rentrer, donc 0,262, 0,209 et 0,165. Voilà, là on a sorti la titane. On va ensuite le tungstène, donc ici Shift D. Ici, rugosité à rugosité, normal à normal, BSDF ici, et là, c'est le tungstène. Je suis bête. Là, tungstène. Ok, donc la couleur du tungstène, c'est 0,319. 0,319. 0,309. Voilà, il ne reste plus que le vanadium et le zinc. Donc on est ici. Shift D. Rugosité normal, donc là c'est vanadium, tac, voilà, donc là vanadium. C'est 0,407, 0,407, 0,451, 0,429. Voilà, et ensuite le zinc, donc le dernier, Shift D, on arrive au bout. Donc là, rugosité à rugosité, normal à
Et là, PSDF, ici, on va aller mettre le zinc. Et la couleur, c'est 0,591, 0,546 et 0,462. Voilà, on vient de finir un petit peu tous nos métaux. Voilà, alors on peut venir voir ce que ça fait dans tabulation, et là on a tous les métaux qui sont ici. Alors c'est là qu'on va pouvoir rentrer pour tous les ranger un petit peu mieux dans l'ordre. Donc je mets ici, j'appuie sur tabulation, et ici on va tout simplement changer l'ordre des métaux. Donc on va mettre aluminium en premier, voilà, avec ses flèches. Ensuite on va mettre argent dessus, bronze c'est en haut, chrome c'est en dessous, chrome 11, chrome sombre c'est ici, cobalt c'est après chrome sombre, cuivre c'est après cobalt, du cuivre je vais mettre juste après cuivre, fer c'est au-dessus, juste après du cuivre, alliage à base d'étain, on va le mettre après, tiens. Avant le fer, parce que juste avant on va mettre l'étain. Donc vous pouvez regarder là au fur et à mesure. Hein. Ensuite, j'ai mercure et méthylène, on va le faire monter. Je vais cliquer ici sur mercure et on va le faire monter. Fer, ensuite Mo, FGH, JKL, donc gallium c'est avant l'éton, et c'est même avant mercure, le calcium, après il y a l'éton, j'ai LM, il y a l'éton après, avant mercure, donc après c'est mercure, après c'est molybdène, molybdène, après mercure, donc potassium c'est après l'or, donc on va mettre 18 carats avant 4, donc potassium, plomb c'est avant potassium, platine c'est encore avant plomb, après cuir ST. Et voilà, c'est dans l'ordre. Parfait. C'est parfait. Voilà, on vient ici, on va cliquer ici, on va taper sur tabulation. Donc, ici. Donc, le nom, notre groupe, donc c'est ici le nom. C'est le nom ici. Donc, comme c'est les métaux, on va appeler ça métaux. Simplement, on va cliquer ici pour que Blender conserve ce shader. Et là, on a les métaux. Et puis, c'est tout. Voilà, j'ai terminé le tutoriel. Donc, on va voir si ça fonctionne. Alors, on a ici, je veux ma tête de singe en titane. Je viens prendre ici, je mets ici sur surface et il est en titane. Si je le veux en tungstène, on va venir ici, le mettre en tungstène. Je veux de l'or 18 carats, on va venir ici, or 18 carats. Je veux du cuivre, du vieux cuivre plutôt. Je vais chercher ici le vieux cuivre, je vais prendre ici. En étain, eh ben, on va venir ici. Si je viens chercher le potassium, on va avoir un effet de léger rayonnement. Le zinc va se trouver là. Voilà. Et ici, on va avoir du vanadium. Étain, je peux lire quelques que j'ai pas montré, cobalt, chrome sombre. Voilà, on a ici tous les métaux. Donc on a créé en 53 minutes, on a quand même créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
26 shaders différents. Donc, sur supprimer, et on va agrandir un petit peu ici cette image, on l'agrandit. Et ici, maintenant, on va aller dans les textures. Et là, dans les textures, non, on n'a aucune texture. Et là, dans les groupes, on a le groupe métaux. On voit tous nos métaux qui sont ici. Et on a en dessous notre fameux texture de voiture, peinture de voiture. Donc, on va aller. Pardon, je veux ma tête de singe en argent. Il suffit de cliquer là. Et voilà, elle est en argent. Alors, ici, on peut tout de suite régler la rugosité. Que ce soit plus ou moins rugueux. Alors, je viens de me rendre compte quelque chose, c'est qu'il va falloir brider cette valeur de rugosité parce que ici, c'est fait plus du tout métal. Donc, on va corriger ça. On va venir ici. Donc, on retourne sur l'éditeur de shader. Donc, ici, on vient ici, on appuie sur tabulation. Et c'est sur la rugosité ici qu'on va essayer de brider un peu la valeur. Donc, pour faire ça, on vient ici. On va sur Roughness et là on a des valeurs minimum et maxi. Et là la valeur maxi, donc là ce que je vais faire, je vais regarder, je viens sur tabulation, et là je vais regarder à quelle valeur maxi on a. On est toujours en aspect métallique. Alors je vais augmenter un petit peu, 0,200. Là c'est vraiment le maxi, je pense. 0,5, c'est encore métallique. On va monter un petit peu. 0,6, c'est encore, mais c'est vraiment limite. Là, c'est la limite maximum. Donc, on va mettre 0,6 en maxi. Donc, je viens ici, j'appuie sur tabulation. Et là, sur la valeur maxi, on va taper tout simplement 0,6. Voilà. Valeur par défaut, on va mettre du 0,05. Voilà. Et là, voilà. Alors, je revois ici. Donc, la valeur maxi, c'est 0,6. Là, vous voyez qu'on ne peut pas aller au-dessus. Et là, on a. Le problème, c'est que là, on voit 0,6. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'ici, on voit, au lieu de voir 0,6, on voit 0,1. Alors, c'est faisable, mais ça va être long parce que. En fait, il faut rajouter ici. Un modificateur mat, c'est pour ça que je vais pas le faire. Il faudrait rajouter un modificateur. Je vais vous le montrer sur 1. Donc là, sur la rugosité, on va prendre une rugosité. Il suffit d'aller, faire un Shift A, convertisseur mat. Donc ce convertisseur mat, on va le mettre sur une des rugosités ici. Et ici, en valeur, on va le mettre en divisé. Et là, la valeur, on va mettre 1 divisé par 6. Voilà, ça fait 0,167. Alors, ça a quoi comme effet? Après, on peut ici rajouter ici la valeur de 1. Voilà, 1 maxi. Ce qui a pour effet ici d'avoir toujours ma valeur 0,162. Mais là, quand je vais à 1, alors on va prendre la bonne texture. Hein. Tabulation, non, c'est sur le zinc, pas sur le zinc, c'est sur le. Si c'est le zinc. Donc là, on va prendre le zinc. Et vous allez voir que le zinc, la rugosité va être moins prononcée à 1 qu'à, que pour l'argent. Allez, mais attendez, c'est un problème parce que j'ai mis ça sur le déplacement et c'est sur la surface qu'il faut mettre ça. Et là, le zinc, vous voyez qu'on a encore un petit effet. Il faut attendre. Mais on va avoir encore un effet métallique à 1 qu'on n'a pas à 0,6 sur le. Alors, je ne vais pas le faire. Je vais rester ici à 0,6, c'est pas grave. Donc là, je vais supprimer. Donc on va reconnecter ici la rugosité à la rugosité. Rugosité à la rugosité, et là on va bien plafonner ici maintenant sous 0,6, on va mettre 0,5, comme ça on pourra toujours monter la rugosité, on sera bon.
Donc je viens ici, je vais appuyer sur tabulation. Là, on va vérifier, je fais supprimer. Donc là, on n'a plus du tout de shader pour notre Suzanne. Je reviens ici sur nouveau et on va mettre cette fois, on va chercher par exemple le chrome sombre. Donc, tout de suite, on est en chrome sombre avec une rugosité ici de 0,05 et on peut augmenter cette rugosité cette fois. Même à fond, on a là la rugosité maximale qu'on a bridé. Voilà, on a quand même vraiment beaucoup de rugosité, mais on a toujours cet aspect métallique. Voilà. Et là, on va pouvoir baisser cette rugosité, on peut faire comme on veut. Et bien sûr, on peut rajouter en plus une note. On a toujours notre fameuse normale qui va pouvoir nous permettre, qui va nous permettre de rajouter un peu des rayures. Voilà, on peut mettre sur la rugosité, on peut faire des empreintes, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous demande à vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur je sais pas encore quoi, si ça va sur Blender, Photoshop, After Effects, je sais pas encore. Donc là je vous ai montré comment réaliser 26 textures, un shader de 26 textures différentes de métaux, prêts à l'emploi. Et alors si on ne veut pas aller là, on peut on l'aura bien sûr ici, hein, c'est un shift A, un groupe. Groupe, on va métaux. Et là on a tous les métaux. Supprimer, on peut essayer de chercher par exemple, on a toujours notre fameuse texture peinture de voiture. On vient ici. Là, et on prend maintenant, on peut changer ici la couleur de notre peinture de voiture. Voilà. Tout fonctionne. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.